Alors aujourd'hui, je vais vous montrer mon premier projet que j'ai fait avec la peinture colorantique. C'est une peinture qui est fabriquée même au Québec, c'est 100% québécois, puis c'est super écologique comme peinture. Fait que aujourd'hui, je vais vous expliquer en gros ce que je vais faire comme projet. En fait, j'ai trouvé le meuble de bois, le vieux meuble de bois, quand j'ai acheté la maison, était déjà là. Dans la maison. Ben, j'ai décidé de la garder pour donner une autre vie à ce meuble. Je l'ai décapé. OK? Fait que parce qu'il était vraiment terni, brillant, avec une peinture, comme vous avez vu au début de la vidéo, elle était brune foncée. Puis c'est moins la tendance en ce moment. Fait que j'ai décidé de le décaper avec un super décapant qu'on trouve à Kékéry. Ça va super bien. Ou sinon, vous pouvez prendre un TSP. Juste en poudre, juste pour enlever le gros du vernis pour que la peinture adhère mieux sur le meuble. En fait, le meuble, là, moi, là, je vais le mettre dans mon salon. Parce que mon salon, il y a un mur rouge vraiment éclatant. Papant, moi, j'aime ça. C'est un beau mur rouge. Là. Tout le reste de mes meubles sont un peu blancs, avec le plancher naturel. C'est ça. Moi, je vais mettre le meuble blanc. Mais pas un blanc blanc, je veux qu'il y ait un peu de gris dedans. Puis la couleur que je vais utiliser, ça s'appelle Ballerine. Ballerine! C'est vraiment une peinture qui me ressemble en plus à ça a donné. Donc, dans le fond, Ballerine, c'est comme le deuxième blanc dans le fond de toute la palette des couleurs qu'il y a sur le site. Et vous pouvez même mélanger les couleurs ensemble, il n'y a pas de problème. Le site, c'est colorantique.com, tout simplement. Puis, avant de tout vous expliquer les étapes, je veux vous dire hein, que je vous donne 10% de rabais si vous achetez de la peinture sur le site. Vous avez juste à rentrer la code de promo RODALITS10, puis c'est tout en minuscule. Puis, ça va vous donner un 10% de rabais sur tout. Ben, ça vaut vraiment la peine. Puis sinon, après 100$ de dépenses, la livraison est gratuite. Fait que tout ça pour vous dire, là, je vais vous expliquer un peu mes étapes qu'on va faire aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on va commencer avec un nettoyant, démaquillant, en vernis, justement, pour bien nettoyer le meuble comme il faut. Fait que ça va être ça en premier. Après ça, on va mettre l'après. Parce que moi, là, je vais vous dire, OK, parce que mon meuble, là, il était sûrement à l'huile. Parce qu'il était comme laqué, le vernis, vraiment brillant. Puis en fait, c'était épais, tu sais. Fait que c'est mieux de décaper avec un décapant que je vous ai dit tantôt. Puis après, de mettre l'après à l'huile. Dans le fond, l'après, c'est blanc. Vous allez juste à l'appliquer partout sur le meuble. Puis comme ça, la peinture, elle va mieux adhérer sur la surface. Parce que c'est comme un peu, c'est glissant, si on veut, c'est comme... Fait que c'est mieux de mettre un après à l'huile. Et après ça, on peut mettre la peinture, la couleur que vous voulez. Moi, j'ai pris Ballerine, mais ça peut être n'importe quelle autre couleur. Et on vient l'appliquer partout sur le meuble avec les pinceaux ici. En poils synthétiques et je vous dis les pinceaux là je les aime assez là, parce qu'ils prennent beaucoup de peinture puis ça s'applique super bien, tu sais, ça va très bien puis ça va comme dans tous les détails puis tout ça. Fait, après qu'on ait mis la couleur partout, on va aller mettre de la cire, ça s'appelle naturel d'abeille. Naturel, c'est transparent. On le voit pas. Puis ça, on le met à la toute fin. Ça fait comme un vernis. Mais c'est de la cire. Fait que ça va protéger votre meuble. Si vous voulez, mettons, refaire une table dans la salle à manger, des armoires de cuisine, là, à ce moment-là, c'est mieux de ne pas mettre de cire. C'est mieux de mettre un vernis mat. Ça se vend aussi sur le site. Et c'est vraiment pour protéger les surfaces qu'on déplace beaucoup de choses. Tu sais, là, que c'est comme pas évident. Mais comme ça, ben, tu sais, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont se déplacer. C'est moins. Comment utiliser si on veut. Fait que je vais mettre la cire naturelle partout pour protéger le meuble. Et après, je vais finir avec une cire tempête grise. Fait que c'est gris,
Il y a un petit pain gris, là, si vous voyez. Puis, il faut le prendre avec un pinceau à poids de porc. Et on fait juste comme ça ici. Et le mettre à quelques endroits pour faire vraiment un effet vieillot. Mais pas beaucoup. Moi, j'en mets très peu. Juste pour que ça donne du vécu au même, qu'on sent plus le grain du bois. Je trouve que c'est, ça donne un super bel effet. Fait que si vous avez des questions, écrivez-moi. Moi, je vais être là pour vous répondre le plus tôt possible. Envoyez même moi des photos de votre meuble si vous avez des questions. C'est peut-être un vernis à base d'eau. Est-ce que c'est un vernis à base d'huile? C'est toutes ces questions-là que c'est super important. Puis, je vais pouvoir vous conseiller puis à vous diriger un peu dans votre projet. Puis, c'est sûr que c'est parti. Parce que si vous avez des questions, ben écrivez-moi. Puis, tout ça pour vous dire, la peinture colorantique, c'est une peinture à la craie. Fait que le vernis est toujours mat. C'est pas brillant comme finition. Puis c'est super opaque comme peinture. Ça veut dire que ça couvre, que c'est pas en transparence. Moi, j'aime ça quand ça couvre bien le meuble. Fait que voilà. Alors, la première étape, c'est de prendre le démaquillant nettoyant pour vraiment bien nettoyer le meuble avant de peindre. On fait ça partout, tout le même. Ça enlève la saleté, ça enlève tout le gras aussi. Et voilà. Deuxième étape, on doit appliquer l'après à l'huile. Idéalement, il faut aller dans le sens du bois. On vient de faire la première couche d'après. Puis une couche, moi je trouve que c'est assez. Parce que l'important là, de l'après, c'est que la surface soit plus rude un peu pour que la peinture adhère mieux sur l'après. Tout simplement. Alors c'est parti pour la troisième étape. C'est sûr que l'après, il faut que ce soit sec. L'après, là, je dirais que ça sèche assez rapidement. Après une demi-heure, ça devait être vraiment sec. Puis là, c'est beau, j'aime ça, je capote! Mais là, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est la finition. Fait que je vais mettre la cire naturelle d'abeille. Fait que je vais mettre celle-là en premier, partout, sur la porte aussi. Puis, faut que ça soit sec, là, si on applique la cire. Et après, on va mettre la cire grise. Mais pour commencer, on va mettre la cire naturelle. Puis celle-là est transparente, OK? Juste, inquiétez pas, ça paraît pas. Fait que je vais vous montrer comment on fait ça. Puis, il faut prendre le pinceau à poil de porc, comme ça. Ça va super bien avec ça, là, pour vrai, là. C'est super, ce pinceau-là. Fait que comment on va faire ça, c'est qu'on fait juste prendre de la cire sur le pinceau et on vient juste l'appliquer comme ça ici.
On sent que c'est comme un peu collant. C'est sûr qu'il faut. Je viens de finir la cire naturelle sec et transparente. En fait, je suis rendue à la cire grise. En fait, ça s'appelle tempête grise, la couleur. Et le pinceau, j'en prends une autre parce que c'est plus foncé. Fait que j'aime mieux garder un pinceau pour la transparente, celle la naturelle. Puis j'aime mieux garder un pinceau pour mes cires qui sont plus foncées, qui sont plus colorées. Fait comme ça, parce que la cire, ça se nettoie pas vraiment. C'est les pinceaux, si ça reste, si c'est gros. Hein. Fait que dans le fond, moi ce que je fais là, avec la cire grise, c'est que j'en mets très peu sur mon pinceau. Et je viens juste l'étendre légèrement, comme ceci. C'est vraiment pour sentir le grain du bois, puis donner du vécu au meuble. Fait que c'est vraiment, on pince pas fort, et ça donne un effet, tu sais, un peu vieillot-usé, mais tu sais, pas trop. C'est juste un petit effet. Et on peut reprendre le pinceau là, pour que c'est naturel. Tu sais, c'est pas grave, j'en ai un peu. Là. C'est juste pour l'étendre. Comme ça. Alors, j'espère que vous avez appris quelque chose, puis que vous avez aimé ça, puis peut-être que ça va vous inspirer pour un projet. Merci beaucoup, puis j'en ferai un autre projet prochainement.